Ok, c'est lancé, mesdames et messieurs, d'entrée de jeu, mesdames et messieurs, d'entrée de jeu. On va pas tarder à y aller immédiatement. La casquette à l'endroit, mesdames et messieurs, ça veut dire nouveau gamer. Gamer, mesdames et messieurs, les gamers. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce jeu de chat. Nous sommes un petit chaton. Miaou, miaou, je suis un chaton. Miaou, 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 je suis un chaton. Miaou, miaou. Oui. Ok, et apparemment c'est le jeu hype de juillet. Donc on va s'amuser quoi, hein. Vibration, fouf, attends, ok. Le volume je le sens venir déjà, donc je vais réduire à 50%. Les commandes, ça a l'air ok. Sensibilité, peut-être réduire 60 fps. Ok, flou de mouvement, ta mère. Netteté, bon, je sais pas ce que c'est. Qualité des effets, vas-y. Attends, c'est quoi? J'ai lu démarrer la carte. La carte. Adding mes full gauche au FPS. Ça y est, il y a un jeu de chat là, t'es dessus, hein, Raftalia. Hein. Bizarre. 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 Mesdames et messieurs, c'est parti sans plus attendre. Le véritable gamer, le meilleur gamer de cette plateforme, démarre la partie. Il est 20h55, mesdames et messieurs. Vous aviez eu le temps de venir. C'est parti. Vous avez loupé le début? Tant pis. À tout de suite dans la rediff. Point d'exclamation sociale. Point d'exclamation d'exister, point d'exclamation normalement, cliquez sur tous les liens de marque, mesdames et messieurs. Et sans oublier, un pouce bleu pour le meilleur gamer de la planète, le gamer le plus complet de la planète, qui va finir ce jeu en 2 secondes. Alors il n'y a pas de mode de difficulté. Oh, il y a plusieurs chats. Je pensais qu'on était le dernier chat sur la planète. Alpha 4, cool 4. Et tout ça pour savoir, ok attention je vous spoil, tout ça pour dire mesdames et messieurs que le chat bah, est pas vraiment un vrai chat, c'est un robot chat à la fin. On va juste réaliser que c'est un robot chat. J'aurais préféré un nouveau Assassin's Creed que ça, mais vas-y t'inquiète. Vas-y, je lui gratte de cul lui là. Hop là, hop là. Headshot biatch. Vas-y. Vas-y. Oh, c'est trop mignon! Oh. J'ai hâte de te brûler au laser! Oui, mesdames et messieurs, malgré ce jeu, je reste team chien. Allez, mange ça, bouffon! Vas-y, viens là que tu t'éclates! Bon! Bon, headshot! Frappe nuptiale! Ok, il m'a sucé la tête. Je fais quoi moi? Je suis beau. Je suis Jack. Et je reste le meilleur gamer de la planète, vous inquiétez pas. Il est où mon tuto là? Oh! Et voilà. Vous voyez pourquoi je suis le meilleur gamer de la planète? Vous avez vu? 30€ le jeu. Heureusement, grâce à moi, vous l'avez pas acheté, mesdames et messieurs. Oh, c'est trop mignon. Salut, ça va? No,
on n'a pas de bouffe, ça fait chier. Et ce bout de carton commence à me casser les oreilles. Oh, qu'est-ce que j'aimerais sauter. Je pense que si je saute, je crève. Oh, attends, j'essaye. Attends, j'arrive. C'est fini le jeu, les gars. J'arrête. Non, je me force pas, tranquille. Franchement, je suis content de jouer au jeu. Mais c'est juste que vu qu'il n'y a pas de parole, il n'y a rien parce qu'on est un chat. Les gars, comptez sur moi pour effectivement faire le discours, quoi. Alors, toujours backtrack, les gars. Attends, mais ils vont tous mourir. Oh là là, c'est... Oh là là, le mec qui a fait ce jeu, déjà, j'ai envie de l'insulter. En fait, tu peux pas sauter librement. Donc là, on a une... Oh là là, regardez ça. Il bloque... En fait, tu peux pas sauter librement. Ce qui est une erreur fondamentale dans un jeu vidéo. D'attendre un prompt pour pouvoir sauter. Regarde, là tu vois, je vais attendre un prompt pour sauter. Left hand pour miauler. J'arrête. Ah, faut attendre un prompt pour sauter. Bon, ok, on s'y fait, vas-y. Headshot. Je suis en train de farmer du bois, les gars. On farme du bois, les gars. Classique. On va construire une petite base là. Règle, là, c'est sûr. Donc ouais, je peux faire pas mal de trucs. Je peux faire le chat, quoi. T'sais. Tu connais ce fameux film avec les chats où à la fin le mec qui se fait bouffer? Non. Oula. Mec, toute ma famille va mourir en fait. Je pense que c'est ce qui va se passer, les gars. Toute ma petite famille de chiens là va mourir. Ce sont mes easter eggs là. Ah, je sais pas de jouer en jeu solo, putain. Techniquement, c'est le tuto, mesdames et messieurs. Et comme vous pouvez voir, je suis en train de speedrun comme Jaja. Là, l'arbre sacré. J'aime pas trop beaucoup ça. Slide. Quand ça slide. Y'a rien à observer, frérot. Vas-y, jump là. En fait, ce qui est dommage dans ce jeu, c'est que tu peux pas trop te tromper. Parce que tu peux jumper en fait. Ouais, tu peux pas trop te tromper. T'as juste à spammer les barres d'espace. Vu que le saut n'est pas libre. Oh! 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 Non! Bah ouais, surtout ne viens pas m'aider, hein. Oh, les bouffons, ils sont même pas... C'est pour ça que j'aime pas les chats.
C'est pour ça que j'aime pas les chats. Moi je préfère les rats. Les rats au moins ils viennent t'aider. Les rats au moins ils viennent t'aider, tu vois. Comme vous, vous m'aidez à Twitch Prime. De Twitch Prime. Un sub de 7 francs, sub. Donc ce débile il a loupé son saut parce qu'il a pas appuyé sur barre d'espace. Je suis maintenant blessé. Oh putain, s'il te plaît, non. S'il te plaît, un pack de soins là. Un kit. Attends, hey, ils me cherchent les bâtards quand même. Eh hey. Je suis mort, parfait. Gomme respawn là, je marche pas avec des pattes comme ça moi. Donc mon objectif sera de retrouver ma famille. Incroyable. Hashtag Timra. Donc mon objectif c'est de trouver. Allez s'il te plaît, cours. C'est bon là, un kit. Putain mais je vois que chi. Attends, j'active mon écran. Asus ROG Swift. Oh là là, je vois tout. Oh là là, merci Asus. Asus ROG Swift 360 Hz, mesdames et messieurs, le plus rapide et puissant du marché. Bois de l'eau, ça va te faire du bien là. Allez, c'est reparti. De toute façon, les chats, ils ont 9 vies. Donc là, j'en ai claqué une. Ok. Donc, notez, les gars, j'en ai claqué une. Là, je suis mort une fois. Mist the jump. Achievement. Là il y a une énigme. Il faut pousser la poubelle pour passer au-dessus, clac-clouc. Il y a une caméra de surveillance qui me regarde. Donc on est dans le Truman Show maintenant pour ceux qui ont la ref. Mais si vous n'avez pas la ref, vous faites un zooker, c'est pas grave. Il y a des abeilles par terre là. Oh, un homme mort. On est dans Squid Game en fait. Ouais, je speedrun un peu, désolé les gars. Hey, je suis un boss. Vous avez l'écran d'un pro gamer. Ouh, follow me. Il y a un autre chat qui me parle. Oh, alors ça c'est intéressant ça. Miaou miaou, je l'ai entendu les gars, un autre chat m'adresse la parole. Alors là il faut remplir la canette d'eau. Et qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il fait avec sa bouche? Ok, vas-y, on fait spam mes barres d'espace. Et là tu lâches ça là pour casser le ventilateur. Headshot. Pro gamer, escape gamer, les gars, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus les gars? Pro gamer, escape gamer. Ça va vite. Ça va trop vite pour vos yeux. C'est normal. Fuck la peinture. Pousse-toi toi. Headshot. Headshot. Saute.
Oh, je suis incroyable. Gamer incroyable. Follow me, ça veut dire... Ça veut dire quoi? On peut faire du RP chat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire claque ton prime. Eh, hey, voilà! Les gars, ça veut dire claque ton prime. Même dans le jeu, ils le disent, les gars. Pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez? Il y a des flèches partout. On le voit bien dans ce jeu, les chats sont fourrés. Moi, j'aime pas trop les chats, je préfère les chiens. Les chats sont les petits animaux combat, combat. Trop mignons, on les aime, mais s'ils veulent te bouffer, ils se bouffent. Qu'en pensez-vous, le chat? Ah ouais, ouais, dans... Vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un robot! Headshot-le vite! Oh merde! Bad ending! Oh merde! J'aurais pas dû le buter, les gars! Bad ending. Alors, qui c'est qui bute tous ces robots? Qui c'est qui bute tous ces robots? C'est ça la. Là, on a une vraie question! Vraie question, les gars! Vraie question! Qui bute tous ces robots? Cinématique! Kezo, 21 mois Twitch Prime, Bentos, 4 mois Twitch Prime, merci mes bébés. Oh les bâtards cette fois. Oh les bâtards. C'est eux qui les butent. Ouais, ça c'est typiquement chat, ça fait le show. Mais ensuite, oula. Mais attends, maintenir barre d'espace, mais il est con lui ou quoi? Il m'a dit maintenir barre d'espace pour trouver. Allez, c'est terminé. Pro gamer in the place. Jeu pour enfants. Oula. J'ai glitché. J'ai eu un bug. Je me suis fait sucer le cul. Excusez-moi, les gars, j'ai bugué. Alors, en plus, j'ai mis du temps à courir, donc j'ai perdu beaucoup de temps au début. Pro gamer, jeu pour enfants, mesdames et messieurs, c'est terminé. La technique, c'est qu'il faut faire des esquives. Alors, le truc de spammer alt, je suis pas trop d'accord avec ça. Oh, l'esquive. Oh là là, eh, c'est chaud quand même, il trimaque. La technique, c'est que tu te diriges vers un endroit et hop, tu te diriges vers un autre. Clac-clouc. Qui claque, ou claque. Si nul, si bête. Oh putain, c'est chaud en vrai. Ouais. Ah ouais, le left alt, j'aime pas trop parce que j'ai l'impression que ça va faire bugger mon ordi. Headshot. Je sais pas comment j'arrive à les anti-sucer, mais je suis un pro gamer. Oh, c'est chaud en vrai. Oh ah. Il me suce le cul, les gars. Allez hop, esquive, droite, gauche, esquive. Je suis une formule 1, mon frérot. Et c'est terminé. J'ai gagné. Jeu pour enfant, les gars. Jeu pour enfant. Et voilà, regardez comment j'en ai rien à foutre. Je me gratte les couilles tellement que j'en ai rien à foutre. J'ai beaucoup pensé à Assassin's Creed hein, en vrai, mais ça aurait pas été mauvais d'avoir un nouvel Assassin's Creed. Ah, attends. Je suis trop intelligent. Intellectuellement supérieur. Alors heureusement c'est moi qui dirige un chat parce que un chat n'est pas aussi intelligent que moi. Donc heureusement que c'est moi qui dirige. Alors là j'ai compris immédiatement, tu te mets dans le rouleau, clac clac. Voilà, j'ai compris immédiatement. Immédiatement. Voilà, jeu pour enfants. What? Qu'est-ce que ça fait si je miaule là? Je comprends pas. Ah,
Alors, j'ai pas compris le délire de miauler, mais... Ah, en gros, quand tu miaules, c'est genre cheat. C'est un cheat. Genre, ça te dit où aller, en fait. Headshot. C'est vrai qu'un chat, tu peux le balancer d'un immeuble, les gars, et il va pas crever. On m'a toujours dit oui, non, tu vois, genre... On m'a toujours dit genre bon après je t'avoue que j'ai jamais vraiment balancé un chat d'un immeuble. Parfois pour monter il faut descendre. Voilà. Moralité de l'histoire les gars. À méditer. Parcours fric frérot. Donc en fait quand t'appuies sur, quand tu miaules genre en gros ça te streamac en fait l'endroit où il faut que t'ailles. Voilà. Clac clouc. J'ai coupé la batterie, frérot. Non, mais c'est trop, mec. Genre, un chat, il cut la batterie, genre. Headshot, chapitre 2, l'appartement. Campus, affilié, institution. Waouh, quel univers, quand même, hein. L'univers est... L'univers est sacrément propre, les gars. Besoin d'aide. Besoin d'aide. Donne-moi une arme, bouffon. Comment je t'aide, moi? Je lui parle, là, je lui parle. Donnez comme on peut, besoin d'aide. J'arrive, bébé, je lui ai dit. Quand requis pour téléchargement. T'inquiète pas, je suis là. Passer la porte, trouver un corps. Je leur ai dit claque ton prime, bébé. Waouh. Je suis informaticien maintenant? Alors je vais étudier dans mon laboratoire là, les gars. Oh, là il faut que je récupère l'interrupteur de l'autre côté. Je suis un méga tchad. Giga tchad. Giga tchad. Je suis enfermé, c'est fini. Allez hop, j'ai l'interrupteur, dégage bouffon. Alors je vais d'abord essayer ici. Peut-être qu'il me faut tous les interrupteurs, ok, vas-y, ok. Alors là c'est Assassin's Creed. Hop là. Le petit Giga Chad. Clac. Oh, il y avait des clés. J'ai vu les clés. Là il y en a un. Clac. J'en mets un autre ici. Clac. Clac. T'imagines la gueule du chat quand même. Genre soyons honnêtes. T'imagines la gueule du chat quoi. Genre le mec il est assez. Genre il est assez intelligent. Genre c'est, ça n'existe pas. Soyons honnêtes, c'est pas réaliste. J'aime pas. Moins un pour le réalisme. Je suis giga chat. Oh waouh. Moins un, pas de réalisme.
Oh waouh, je suis dans le darknet. Attends, il est là le mec. Donc il y a un symbole de Micromania. Oh merde, il y a plus de tête. Il y a écrit quoi sur mon style, j'arrive pas à lire les gars. Mais t'imagines, je le répare là? Il y a écrit quoi? Twitch Prime. On dirait vraiment qu'il y a écrit Twitch Prime pour le coup. Twitch Prime. Je fais quoi avec ça? Ah, c'est son œil. Hein? Il faut que tu claques ton prime. Tout ce que tu as à faire est de connecter Twitch à Amazon Prime Gaming et puis tu retournes sur Twitch et tu cliques sur le meilleur gamer de tous les temps, KEKW. Comment c'est ? Bon, attends, hey. Quand t'es coincé, la règle numéro 1, c'est de spammer une barre d'espace. J'ai gagné. Je vais analyser dans mon laboratoire. Uploading. Ah, c'est mon arme. What the fuck, B12. C'est un moldu B12, les gars. Oh, c'est mon nouvel ami. Dans ce monde dévasté par la haine et la mauvaise humeur. Headshot. Point d'interrogation, ça a marché, je suis libre, merci. Quoi? Je ne croyais pas que les caméras, un chat dans la... Je ne croyais pas les caméras, un chat dans la ville morte. Je suis, j'ai oublié mon nom, je crois que ma mémoire est endommagée. Je suis resté trop longtemps prisonnier du réseau électronique. Je sais que j'ai travaillé pour un scientifique qui vivait ici. Pour le moment, tu m'as qu'à appeler Moldu B12. C'est ce qui est inscrit sur ma coque. La ville morte est un endroit dangereux, mais tu as l'air débrouillard. Je suis un chat, les gars, et je suis en train de parler avec un robot, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Sortons d'ici, suis-moi. Il est passé où le con? Cette clé ouvre la porte, c'est tout ce que je dois me mesurer. Je vais te l'attraper. Ma batterie est déjà presque vide. Viens par ici. Il va falloir que tu mettes ça. Oh wow! Qu'est-ce qu'il fait le con? C'est vrai qu'elle est conçue pour les petits quadrupèdes dans ton genre. Hein? Tu n'es pas trop gêné à porter, ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer. Tu numérisais la clé, je l'ai placée dans ton sac à dos. Tout va bien, j'ai un sac à dos, je suis un chat. Table pour l'inventaire. Tout va bien, mesdames et messieurs. Facile. Pour savoir à quoi sert un objet, montre-le-moi. Montre-le dans d'autres gens. Montre-le à d'autres gens si on les croise. Et maintenant, il faut sortir de cet appartement. Oh waouh! Putain, on m'a déchiqueté les yeux. Le code c'est 3748. Notez-le. Notez-le les gars. Oh l'Easter Egg Gamer.
Easter Egg Gaming. Easter Egg Gaming. Je gagne. Tout ce que je fais, c'est de gagner, les gars. J'espère que vous appréciez le gameplay, les gars. Vous appréciez le gameplay. Le petit chat, vous êtes trop heureux. Sur le loin, je crois que c'était important. Je sais qu'on doit monter. Cinématique, j'ai gagné. Attends, ça me revient à l'extérieur. J'ai l'impression d'être venu ici, c'est là que tu viens. Promis à quelqu'un que j'irai là-bas, mais promis à qui? C'est un poste à inspirer cette peinture murale. Prenons-la. Voleur. D'où me viennent ces souvenirs? Comment sont-ils arrivés ici? Continuons. Bon, c'est bon, on a compris, frérot, que t'étais amnésique. Arrête un peu. Un nouveau souvenir découvert. Donc là, je suis à 3%. Pas 3%, il faut tirer. Il faut pas mettre 4%, parce que 3%, je vais me faire charrier. Merde, non, non, reviens! Oh, fais chier. Oh, merde. Oh! Les taudis. Il veut me tuer lui ou pas? What the fuck? Pourquoi tu balances? Hop hop hop, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il balance? Oh, boss. C'est l'heure du boss. Mais il est con lui ou quoi? Genre en gros les matières organiques tuent les robots, j'en sais rien. Blabliglaglou, blablagliglag. On dirait qu'ils ont leur propre langue. Tu n'es pas sûr que tu es une espèce inconnue. Tu es la bienvenue dans notre village tant que tu manges personne. Donc il y a des mangeurs de... Je vais le bouffer lui. Vas-y, on va les bouffer. Hein. Hey, tiens, on va les bouffer. Tu sembles bien connaître le secteur. Le monde de la garde postale, il sait peut-être comment sortir d'ici. Bah les couilles. Au niveau de l'extérieur, cet ascenseur ne fonctionne pas. Tout le monde sait qu'il est impossible de quitter cet endroit. Enfin, sauf les extérioristes. Mais ils sont tous partis maintenant, sauf Momo. Tu peux essayer de lui parler si tu veux, mais il a abandonné toute idée de départ. Et tant mieux.
Il vit en haut de ce bâtiment avec le néon orange. Allez, j'ai gagné. Les gars, j'ai dit à peine. Merci, hein. Waouh, super LED. Incroyable LED. Bonjour, je suis musicien, je n'ai aucune chanson. Le ciel est bleu et jaune, j'écrirai une chanson là-dessus. Tiens, vas-y. Oh là 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 là, fin du game. Écris une chanson, bouffon. Petit Kill the Cat. Alors là les gars, les boutons sont inversés. Avec le truc, les boutons étaient inversés. C'est quoi le code? Putain, y'a pas besoin de monnaie. Prends boisson, speed 2K. Oh wow! Non, ta gueule, toi. Attends. Boisson énergique, speed 2K. Oh, let's go! Qu'est-ce que tu me dis? Je m'occupe des plantes, les humains, ils ont. Ah! Les humains! Les ont tellement améliorées maintenant, elles n'ont presque plus besoin de lumière. Je les arrose à peine et garde. Regarde comment elles poussent, c'est une technologie vraiment incroyable. Je pensais vraiment prendre l'ascenseur, je n'ai jamais vu un truc fonctionner, j'aurai 374 ans demain. Raconte pas ta vie, vieux boomer là. Faut que je farme des boissons. Bonjour, je suis marchand au marché. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose en échange. Oh waouh, des améliorations. C'est une ancienne relique au témoignage du talent de nos ancêtres. Je voudrais 3 canettes de boissons énergétiques, c'est le minimum. Le marché. Les meilleurs du marché. Je change contre la lessive super spirit. Partition. Une œuvre d'art magistral. Une canette. On peut pas le gangbang le mec là. Vas-y, j'achète la partition. J'ai la partition. Donne-moi une quête. Heureusement qu'on a ces objets pour nous défendre contre les urques. Les taudis sont dangereux et se préparer. Ah ouais. C'est quoi les urques les gars, c'est les petits cons. Attends, il y a du basket là. Oh, il y a du basket. Il y a le panier, je mets le panier, j'en suis sûr, je gagne une canette. On donne aux musiciens. Ça va rien faire du tout, les gars. Ton calcul du soir. Bon, oh, celle-là est chouette, écoute bien. Vous êtes prêts, les gars, DMCA?
une partie de ces chenapans qui s'amusent avec les pots de peinture sur le toit. Arrête avec les peintures, j'en ai marre de nettoyer mon perron à cause de tes bêtises. Je cherche toutes sortes de partitions pour jouer de la guitare et mettre l'ambiance. Si vous avez amené moi, je vais te donner. Raconte pas ta vie. C'est un souvenir. Repose en paix, humain. Les humains furent les premiers à vivre ici. On dirait qu'ils sont tous morts. Je crois que ça fait quoi de mourir? C'est une question idiote de ma part. Ils sont vraiment en paix? Est-ce que je trouverais la paix en mourant? J'ai eu à quoi ressemble la mort pour une IA. Je m'excuse, je ne voulais pas plomber l'ambiance. Continuons. Putain de merde. Oh putain. Il m'a fait flipper les... La musique et tout là, elle me fait bader. Là. Oula, oula, oula. Oula, oula, oula. Les fringues à mémé. J'aime beaucoup le tricot, j'en suis à 770 km. Tu me trouves le calitré, je pourrais faire un poncho, tu m'inspires, mais trouver les bons matériaux est difficile par ici. Putain. Il peut me faire un poncho, frérot. Non mais attends, il me faut ce putain de poncho. C'était quoi qu'il me fallait pour le câble électrique là? La lessive machin. Ouais ouais, donne la lessive. Tiens, t'es où la lessive? Oh 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 wow, t'as de la lessive? Excuse-moi frérot. Je suis programmé pour être des esclaves, mais depuis 2 millions de jours, nous avons une âme pourvu que les extérieuristes trouvent un moyen de fuir cet enfer, Momo. La partition, clac-clouc. Donne ta lessive. Tu viens voir Elliot, il est juste à côté. Bien sûr que tu viens voir Elliot. Putain, les gens, ils sont tellement désespérés, ils parlent à des chats. Tiens, t'es où la lessive? Ouais, dis-moi où est, je m'en bats la race. Ouh, le souvenir. Oh là 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 là. Je suis en train de finir le jeu, les gars. Je pense que le jeu est très court, les gars. Cette arme est une merveille scientifique. Il est remarquable que le génie humain soit parvenu à faire pousser des végétaux qui prospèrent sans la lumière du soleil. Les végétaliens qui ont besoin que les herbes purifient l'air de la ville. Les robots n'en ont pas besoin, mais ils prennent soin quand même. C'est ce qu'auraient voulu les humains. Bon, bon. Je vais lui enculer ses rideaux, lui, là. Headshot, passage secret. La porte. Oui, je peux t'aider, donne la lessive. Non merci, je n'ai pas soif. C'est quoi une plage? Je n'ai jamais entendu parler de ça toute ma vie. C'est à R le mec. Oh, un peu je te démolis ton bureau toi, ton setup gaming là. Claqué au sol, clac, clac, clic. C'est tout démoli maintenant.
putain, ma lessive. Oh, elle est là, la lessive. Tu ressembles un peu à un zurk. Enfin, au moins de loin. Ils font un joli petit cri en l'air mignon comme ça. Méfie-toi, ils mangent même le métal, ils sont terrifiants. Employé du mois, septembre. Donne ta lessive. Tu veux quelque chose ou ouais, de la lessive? Là, là, il y a la lessive. T'es pas en coin, qu'est-ce que tu veux? Lessive. Connard. Donne tes boissons énergétiques. Mais attends, mais ils teasent les robots? Les robots ils teasent? Ils sont bêtes ou quoi? Attention, l'exploration, je pense qu'elle prime pas mal. Ils ingèrent vraiment ça. À quoi? Leur conception d'origine n'inclut pas le système digestif. Tu crois qu'on devrait goûter? Je vais pas manquer de respect à leur tradition. Vas-y, goûte. C'est quoi ça? Frérot, il est en train de manger des barrettes de rhum, le mec là. On va jouer au billard. Tire, tire, connard, tire! Putain, on en a des partitions, les gars. Waouh! Je suis chaud quand même. Ce genre-là, des gens qui vivent au-dessus, au niveau 2. Ils datent de quelques années, mais ils vaut le coup d'être lus. Bah, donne-le. Raconte pas ta vie, donne. Tiens, vas-y. On va essayer de trouver comment sortir de cette miaou, ville. Je suis un gentil chat. Ça ne s'est pas bien terminé. Pareil que les troqueurs cherchent ce genre de choses. Partition de jeu, je n'ai aucun instrument. La gueule. Oh, ils ont de la lessive. Il y avait toujours des trucs bizarres, mec. Je n'ose pas quitter notre village, c'est trop dangereux. En plus, le gardien est seul à pouvoir ouvrir cette porte. Ah! J'avais laissé dans la rue le lendemain les urcs qui avaient tout bouffé. C'est dingue, non? Ils peuvent manger n'importe quoi. Il n'y a que le gardien qui peut me dégager ici. Lavateur, lavotamique, super spirit, c'est là! Les fringues à mémé, programmation, Elliot, troqueur. Lavatomec, super spirit, les gars. C'est ici. Je cherche une personne capable de surveiller l'entrée sud de la zone sécurisée. Rémunérer deux pintes d'huile de Siaba, bonjour. Prière de contacter le gardien. Sur les lendemains d'hier, sur on ne vieillit pas comme nos ancêtres. Ok, boomer. C'est lui qui me balance. Elle est où la lave atomique? De l'autre côté? Mais non, mais c'était. Eh hey, mec, c'était pas une flèche. Vous êtes giga bête, hein. C'était pas une flèche. Genre, la flèche est. Regarde ça, c'est là. Ouvre la porte. Chat, regardez. Super Spirit à gauche. Vous avez vu, je vous l'avais dit. Super Spirit, c'est là.
Oh mais c'était pas dans le jeu, enfoiré, putain. C'est le nouveau truc de Sylvanus. Attention, je dois me concentrer et ne pas faire tomber un autre pot. Vous êtes prêts les gars, regardez. J'ai gagné, mais oh là là, je suis trop intelligent. C'est un jeu d'énigmes les gars. Il a ouvert la porte maintenant. Parachute là, j'espère que le poncho c'est un parachute Fortnite. Bon allez là, descends, je te bute. Descends, je te bute. Ok, j'ai gagné, j'ai le poncho. Oh là là, le beau gosse. Fous-toi, bouffon. Super spirit. Allez hop, in the bag. J'ai gagné. Fais une petite canette là. Mais les gars, j'ai déjà fini le jeu à 100%. Attends, je te d'abord les toi. J'ai encore nettoyé l'entrée de ma boutique. Arrête de jouer au-dessus de ma boutique, espèce de petit vaurien. Oh, regardez, mes petites pattes sont... Oh, c'est trop mignon. Vas-y, elle est où, mémé? Elle est là, mémé. Attends, je suis con d'abord. Il faut d'abord que j'aille l'acheter. Putain. Ah, il y avait des trucs qui s'allumaient sur mon backpack. Quoi, ça s'allume sur mon backpack? Comment je fais déjà pour parler à mon robot? C'est un, ah oui. Ok, super. Waouh, super utile le mec. J'ai gagné. Les gars, j'ai le poncho. Merci mon cher, je me mets au travail immédiatement. Oh le bâtard, je vais avoir un poncho les gars. Méga soin, et j'espère que c'est un parachute, ce serait trop bien. Nouvel objet acquis, poncho. Et voilà, pour toi mon petit, ça va t'aller parfaitement. C'est un de mes plus beaux travaux. Ça a l'air très chaud, parfait pour un robot frileux. Hein? Allô? Je peux même pas le mettre? Vas-y là, ce jeu il m'a énervé là. Oh putain le jeu il m'a énervé. Alors, tu aimes ma nouvelle tenue? Bah non, je peux pas la mettre, MDR, le jeu se fout de ma gueule. Non, eh, vraiment là, c'est quoi ça?
Les devs sont waouh, waouh les devs. Alors joue-moi un truc de merde toi. Sans titre. 44 notes. L'accès des goûts est condamné à cause des préviations des urques. Ne prenez pas de risques, restez en zone sécurisée. Ah, les urques, donc c'est les petites merdes là, les petits blobs qui enculent tout le monde, ok. A tous les coups, le poncho, je vais devoir le filer à un mec. Ça se trouve, même lui. Hein. Ok, bon, ok. Bon, moi je vais aller voir l'autre coq. Ici. Oh waouh! Oh waouh! Cet incarné étrange en est de symbole. Je suis appartient à une certaine Clémentine. Le plan se déroule comme prévu. On a réussi à contacter l'étage supérieur avant que la radio appelait centre-ville. Visiblement contrôlé par une sorte de force répressive. J'ai parlé à Momo tout à l'heure. Ses yeux, je connais son regard. Il viendrait pas avec nous. J'ai lorsque je disais, mais ce serait donc plus utile pour toi. On devrait aller voir Momo dont le gardien nous a parlé. Ta gueule. Les mots du Bédou, c'est fou ces mots du Bédou, je vous le dis. Heureusement que Mysterion il a rien. Qu'est-ce qu'on ferait sans Mysterion? Je suis Mysterion. J'ai oublié le dialogue les gars, ça me fait chier. Je suis Mysterion. Mon vaisseau s'est écrasé, je sais plus ça. C'est quoi le bruit de la porte? C'est sûrement rien. Putain, j'ai trouvé une partition qui était méga dure à trouver celle-là. Je suis Mystérieux, membre des unités des ganglions. Mon vaisseau s'est écrasé lors de la mission Kryptonite volume 2 du secteur 41. Mais comment t'as ça toi encore? Attends, mais c'est là. Comment est-ce que t'as ça encore toi? Poncho pour le robot qui a froid devant la boutique de la dame. T'es sérieux là? Vraiment? Mec, si c'est pas le cas, je vais t'exploser les narines, toi. Ils ont déjà des ponchos, frérot. Mais ma variété est plutôt classe, non? Tu veux quelque chose? La boutique, pas la vieille dame. Backseat inutile, il en est pas là. Heureusement que c'est joué de nous défendre contre les urques. Putain de merde, t'es sérieux là? Un trésor tombé du ciel est tombé de quelque part. Donne les trésors. Putain, il m'a baisé l'enculé.
Bon, j'ai fini le jeu de toute façon. Bon, allez, il faut que je monte là. Mais c'est ce que j'avais dit, hein, de toute façon. J'avais pré-shot un peu ce jeu. Assez prévisible, genre, c'est Jumping Simulator quoi. C'est Jump King ce jeu. Vous avez vu, vous voulez du Jump King? Et bah voilà, vous êtes servi. Il voulait du Jump King, bah voilà. Entends Jump King. Ça a du lance sur la réserve. Momo, putain, Momo, il. Momo, merci, merci Momo pour les travaux.